comment on va appeler notre petite tapette à partir d'Astor? Comment on va l'appeler? Ouais, comment? On n'appellera plus Samuel, on va l'appeler Samanque la place. Hey, bon, c'est vrai, elle est bonne. Ça va être son nom, Astor. Bon, je vais avoir des crayons là-dedans. Ah, exactement ce que je voulais. Putain, comme ça, si jamais tu perds ton sac, tout le monde va savoir que c'est tien. Hey, t'es pas correct de me dire des affaires de même. T'as pas juste les notes dans vie. Ouais, non, je sais que toi, pour être bête de même. Je sais. Écoute, Annabelle, nos parents pensent qu'il y a mieux pour toi pis moi. Je sais que t'arrêtes pas de me le rappeler. Tu vas avoir ton diplôme en médecine un jour, là. Ça fait le temps que tu te rappelles tous les sacrifices que Pop et Maman ont fait pour... Mais pour que tu te rendes là. Tu sais que Pop et Maman sont pas riches, mais ils ont réussi à mettre de l'argent à côté pareil pour tes études à toi pis moi. Tout le monde me trouve belle, pas sûr de ça. Ben, il y a Fred Doyon qui trouve bien son goût. Il l'a dit à Olivier après la game d'hockey la semaine passée. Fred Doyon. Oui, ça ferait super bon chien. Ah, je veux rien savoir de ce gars-là. T'arrêtes donc de vouloir me trouver des chums, ça devient fatigant à la longue. C'est un beau gars, Fred, pourtant. Puis je connais une fille que j'ai sortie avec, il est super respectueux. Mais t'as juste à regarder pour toi, si tu le trouves si fin que ça. C'est sûr que un futur joueur d'hockey de la Ligue nationale, ça impressionne le monde. Même le maudit Raphaël. Il voulait pas le montrer l'autre jour, mais c'est clair qu'il avait peur de toi. Ouais. Lui, c'est un maudit pisseux qui a besoin de sa gang pour manquer qu'il est tough, là, mais. Seul, là, il chie dans ses culottes. Je le sais qu'il a peur de moi, pis dis-toi qu'est-ce qu'on traîne ensemble. Il va te sacrer patience. On aurait dû parler avant, toi, pis moi. T'as raison. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Rien! T'as essayé de m'embrasser. T'as essayé de m'embrasser! Chut! Pas si fort, là! Tu me disais que t'étais pas comme les autres, que t'étais mon ami, mais dans le fond t'es comme eux, hein? Tu penses que parce que je m'habille comme, pas comme vous autres, que je suis gay, mais je suis pas une tapette comme vous dites! Je suis pas gay, c'est-tu clair? Je suis tellement tannée, Sophie, tannée d'écouter les autres, tannée de me louer le matin comme une barre dans le ventre, j'en peux plus. Qu'est-ce qui t'anne le plus? Tu vraiment ça? Ils ont tout le temps peur de dire comment je me sens. Ouais, mais pourtant, je suis ta meilleure amie, tu le sais, tu peux tout le dire. Je le sais que t'es ma meilleure amie, pis t'es aussi la meilleure personne à qui dire ce que j'aurais à dire, mais je suis pas capable. Les mots, ça me brûle, pis ils veulent pas sortir de ma gorge. C'est peut-être toi qui vas se cramer tantôt, la belle Sophie. Je suis pas sûr que tu vas vouloir encore être la blonde joueuse de hockey quand je vais te dire ce que j'ai à te dire. Ou je devrais peut-être dire la joueuse de hockey. Hey, t'es là, Raphaël! De quoi il parle? Ben viens, il veut niaiser. Fais-toi-en pas. Tu le sais pourquoi je veux dire ça. Tu peux pas être de même, tu y comprends rien! Je comprends pas que t'es trans. Mais tu veux vraiment savoir pourquoi? J'ai rêvé que j'étais un gars, pis je pense que j'étais bien.